Bonjour à toutes et tous et bienvenue à l'Histoire sans fin. Nous sommes ravis de vous retrouver, le printemps est là, les beaux jours aussi. Le chef vous propose sa salade de saumon rose fumé au barbecue. Donc ce midi, nous allons vous proposer un filet de saumon fumé à chaud au barbecue. Donc vous prenez votre filet de saumon, vous enlevez la partie grasse, bon parce que c'est pas trop mangeable, c'est même franchement pas bon, donc on préfère l'enlever. Et vous récupérez votre beau filet de saumon. Plus gras, plus d'arêtes, plus rien. Sur ce, vous allez mettre du sel. Nous ici, on utilise du sel de Guérande. Donc vous badigeonnez comme il faut votre filet de saumon au sel de Guérande. Tout simplement, hein. Pas d'huile, pas de matière grasse, rien du tout. Uniquement du sel. Le saumon est déjà assez gras comme ça. Une fois qu'il est bien imprégné de sel, on va le porter au fumoir. Donc on va poser le filet de saumon dans le fumoir à chaud et on va le laisser cuire environ 30 minutes. On va donc retirer le saumon de son fumoir. Voilà, belle cuisson, bien moelleux. Le dessus est bien doré, l'intérieur est bien translucide. On retire le saumon et on va aller préparer notre salade de saumon rose fumé. Étant donné que c'est le printemps, autant en profiter, manger un peu de crudité. Nous ici, tout simple, tomates, concombres, oignons rouges. Donc on émince légèrement la salade. Une fois qu'on a émincé la salade, hop, quelques rondelles de concombre. Ensuite, des quartiers de tomates. Là, les tomates de pays commencent à arriver. Tomates qui ont du goût. Assaisonnement suivant le goût, plus ou moins. Alors nous, on a une vinaigrette à base de vinaigre balsamique et de vinaigre de vin de framboise. Ensuite, on va déposer un tout petit peu d'oignon rouge pour mettre un peu de peps à la salade. Dessus, vous allez mettre votre tranche de saumon, encore tiède. Il sort du fumoir encore tiède. Vous voyez, il y a la couleur du saumon rose cuit, mais il y aura le goût du fumé. Et on termine la salade par une rondelle de citron parce que les gens aiment le saumon avec le citron. Et un peu de persil. Belle salade d'été, bien fraîche. Bon appétit !